Bah donc là on va voir le Amphazer EA13000 SPL. Merde. Bon du coup il est branché sur une alimentation. C'était pas comment on appelle ça. Non un transformateur, un abaisseur de tension quoi, ça s'appelle exactement. Voilà, on voit déjà la consommation ralentie du machin. Là on est réglé en 12 volts, on peut monter. Hein. Il y a un bouton en dessous là pour monter. Donc on va bien par contre. Alors, au moment où on gigote, ça prend un grand coup. Bah, non, parce que, non, je crois que ça, c'est l'abaisseur de tension qui fait ça, il me semble. Donc là, on voit bien qu'à ce voltage-là, c'est pas, ça consomme pas beaucoup. Et après, en augmentant tranquillement, ouais, on arrive à. Ouais, ça, c'est proportionnel, quoi. Proportionnel au voltage. Là, on est à 3 ampères environ, 3,5. Si on se met à 10, bah, on n'est plus qu'à 2,5. Ce qui est à peu près logique. Totalement logique même. Ouais. Bon, ça au pire des cas on s'en bat un peu les couilles. Bah, ça c'est tous les bruits que peut faire un amp phaser au ralenti. Ça fait un bordel mais c'est la folie. Ça fait oui, ça fait des trucs comme ça. Surtout si je joue avec les volts il me semble. Là je joue. On croirait que dans l'amplificateur ça joue au pistolet laser des fois. C'est le truc comme Meg. Donc là c'est le gain il est au minimum je crois. Ouais je l'ai mis au minimum. Ça change rien. Là si j'augmente. Alors si j'augmente ça doit vraiment rien changer je crois. Putain de ta mère. Elle augmente même pas la consommation pour dire. Enfin bref, ouais donc du coup c'est tout le temps tant de bruit quoi. Bon maintenant en fait on va voir. Je vais mettre le caisson par le sol sur rempli. On va voir à partir de quel voltage. Bon bien sûr je vous communiquerai le vrai voltage, je vais le mesurer. Hein. Là, je vais pas faire la mesure en même temps, c'est un peu la merde en filmant. À partir de quel voltage le machin il ampli gueule. Vous allez voir le bruit que ça fait. Hein. Là, j'ai 9. Là c'est quand je reste en continu. Et là si je bloque à fond à gauche, je mets en sécurité, voilà. Là c'est il redémarre en fait. Donc en fait à 8 volts il refuse de se mettre en. Il s'allume pas, mais facile, enfin, si, le voyant vert s'allume, mais il essaye de s'allumer, il s'allume pas. Bon je fais bien sûr tout ça sans jeu, hein, parce que j'ai pas tout envie de casser. Il ne reste plus qu'un gros rempli de son. Voilà, il gueule pas la prendre à 9. Voilà le bruit que ça fait quoi. Et après de 9 à 15, je suis 10-16, mais bon le machin il va à 4 volts. Hein. Je crois que je sais plus, j'avais mesuré, ben. Mais bon je vais regarder combien réellement il commence à gueuler quoi. Voilà. Bon c'était un test pour par curiosité quoi. C'est bien de faire le test quoi, comme ça on sait. En tout cas, faut pas s'amuser à shooter à ces voltages-là, bien sûr.